La végétation a bien poussé. Si je filme comme ça, on se rendra peut-être un petit peu mieux compte. Ça fait quasiment 60 cm. Et j'ai voulu délimiter un petit peu la parcelle des vignes. J'ai planté 6 pieds de vignes et voir un peu ce qu'ils donnent. Donc j'en ai un ici. Mais franchement, j'ai pas l'impression que ça donne grand-chose. Celui-ci, c'était des petits sions que j'ai récupéré sur le bon coin. Celui-ci prend très bien, celui-ci également, très très belle pousse. Il reste celui-ci et celui-là. Bon, alors je vais tous les laisser, puis je vais voir s'ils ont besoin de plus de temps pour prendre. J'ai bien peur que j'en ai que deux de survivants sur les six. En tout cas, pour délimiter, donc je laisse volontairement pousser l'herbe autour de moi, d'abord parce que ça donne de la nourriture à mon bico qui est là. Attendez, je le cherche. Bon, ah ben, il est parti. Bon, tant pis. Et aussi parce que comme ça, je m'en sers de paillage. Je coupe à la main les feuilles et puis j'en fais des beaux tas. Bon, j'ai une belle épaisseur. Hein. Ça me fait des belles épaisseurs à chaque fois. Puis ça va étouffer l'herbe qui est dessous, puis ça va sécher, puis se décomposer, puis nourrir le sol. Donc voilà. Bon, sur cette partie là il faudra que je mette des piquets pour laisser courir les vignes dessus. Donc ces deux variétés, j'en ai une qui s'appelle Othello et qui est noire, et l'autre Noah et qui est blanc. Donc j'ai hâte de les goûter, enfin je les ai déjà goûtés, ils sont super sucrés. J'ai hâte de goûter cela, voir ce qu'ils donnent. Mais on est bien parti. Pour ces deux plants seulement. Et puis après, pour les. Je vais laisser quand même les autres, leur laisser le temps de se refaire. Et puis c'est pas grave, je suis quand même contente que sur Sicion, même si j'en ai que deux de prix, bah, c'est deux qui sont pris. Et je suis fière qu'à chaque fois qu'on plante quelque chose. Même s'il y en a peu qui prennent, ben ceux-là ont pris. Et c'est toujours une réussite, ou au moins on a appris quelque chose. Voilà, si vous avez aimé, évidemment, vous me likez la vidéo. Et puis, abonnez-vous!